Hey, yo les gars, j'espère que vous allez bien, c'est Adrien Chouibot et aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, blog, pour vous parler un petit peu de signalisation de route. J'espère que vous êtes chaud, allez, c'est parti. Donc, qu'est-ce que j'entends par signalisation? Le thème principal de la vidéo, ça va être le panneau M12, le panneau routier M12 qui s'affiche juste là, qui est un panneau destiné à la base au vélo, aux cyclistes, qui définit en soi la priorité à droite, à gauche ou tout droit au niveau du feu rouge. C'est-à-dire que vous voyez ce panneau un feu rouge en tant que cycliste, vous pouvez passer au feu rouge. Donc s'il indique une flèche à droite, vous irez à droite. S'il indique une flèche à gauche, vous irez à gauche au feu rouge. Et pareil, s'il indique une flèche tout droit, vous pourrez griller le feu rouge puisque vous avez le panneau qui vous l'autorise. Et pourquoi on parle de ce panneau? Eh bien tout simplement parce que maintenant il s'applique aussi aux trottinettes électriques. Alors pourquoi? Ça a été décrété il y a quelques semaines et ceci vise à fluidifier le trafic sur la route, fluidifier et favoriser également les véhicules verts, les véhicules écologiques électriques qui puissent passer. D'ailleurs, notamment les trottinettes électriques spécialement, c'est des engins qui sont quand même assez discrets, assez petits, assez fragiles. Et pour la route, ça les favorise, ça encourage également l'environnement, ça prône toutes ces valeurs. Et c'est important que vous sachiez que ce panneau désormais s'applique également à vous. Donc vous verrez un cycliste dessus, il n'y aura pas de rider de trottinette dessus, il y aura toujours un cycliste jaune, enfin un cycliste, un vélo en jaune, mais il s'applique également aux trottinettes électriques et tous les utilisateurs globaux de EDPM. EDPM s'affiche juste ici. C'est le principal changement qu'il y a eu récemment par rapport à la signalisation. Alors pour parler plus globalement, c'est important que chaque utilisateur, chaque usager de la route, en trottinette électrique ou en vélo électrique, ou en vélo tout court d'ailleurs, soit alerte, connaisse déjà son code de la route, c'est très important, ou ait quelques notions, mais le mieux c'est vraiment de l'avoir, enfin de l'avoir et de le connaître, et également de se renseigner. Donc voilà, on essaie de se tenir à jour le plus possible pour pouvoir vous tenir au courant des dernières actualités au niveau du code de la route et par rapport du coup à ce même panneau N12 qui notamment maintenant s'applique aux trottinettes électriques. On trouve que c'est important et on aime vraiment vous donner des conseils pour que vos trajets se passent au mieux. Alors évidemment, ce panneau implique également un passage au feu rouge, mais après avoir cédé le passage. Vous avez vu, c'est un triangle avec bord rouge à l'envers. C'est signe de céder le passage. Donc avant de passer au feu rouge, vous céderez le passage quand ce panneau sera devant vous. Donc céder le passage aux usagers, aux piétons, aux handicapés, bref, à tout ce qui passe devant vous avant de pouvoir franchir réellement ce passage. Donc là, c'est un changement qui est arrivé récemment. Il peut y en avoir plein d'autres à tout moment. On fera le en sorte de vous en informer le plus possible. Mais on peut s'y attendre. On peut s'attendre aussi à des changements au niveau des places de parking, des stationnements. On a pas mal de stationnements de vélos électriques en libre-service qui sont mis à disposition dans la ville de Paris par exemple ou dans les autres villes. On peut s'attendre à des places de parking également pour les trottinettes électriques ou des vélos électriques, on ne sait jamais. C'est important voilà, de se tenir à jour, on fera le mieux pour vous. Évidemment aussi pour parler un peu de signalisation, de sécurité routière, le casque il n'est pas obligatoire mais il est quand même vivement recommandé. Et pareil, n'hésitez pas à vous munir dans votre sac à dos ou dans votre sacoche des équipements de sécurité et de signalisation adéquats, donc le gilet réfléchissant, d'avoir des feux en état de fonctionnement. Porter des gants aussi, ça peut aider, ça peut également protéger. Enfin voilà, c'est quelques mises à jour qui sont importantes et dont le monde de la trottinette électrique, le monde de la glisse urbaine doit être au courant et que tous les utilisateurs de EDPM le sachent. Voilà, c'est tout pour cette courte vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne, ça fait plaisir. Et nous on se retrouve pour de prochaines vidéos. Allez, ciao.